Super, moi je suis prêt de mon côté. Éloigne-toi un peu pour te protéger et fais-moi signe. Je vais te dégager un chemin vers le laser. Je voulais lancer le truc pendant que t'étais là-bas pour que tu te prennes des machins dans la gueule. Ça t'apprendra. La vie est injuste. C'est bon, t'es assez loin? Super, alors c'est parti! À la une! À la deux! À la... Attends! Ah non, pas encore! Putain, bordel de bras. De tout bousiller sans se poser de questions. Bon, voilà. La voie est dégagée, va au laser! Oh le con. Ah, les trucs ils vont aussi loin quoi, punaise. Merde. C'était chaud. Le trap a pas voulu sauter, j'ai failli crever. Considère comme mort là, ok. Ah, je viens de voir mourir devant mes yeux. Je sais même pas pourquoi. Trop de descente. Attends, faut aller où? Bah, il faut la monoposer. Mais ce qu'il y a, c'est que quand t'arrives en dessous, ils te disent de monter. C'est pas le problème. Et quand tu l'es, faut que tu remontes. C'est ça, non? Ah voilà, c'est là. Où je suis. Voilà la sortie, continue. Si c'est pas mignon tout ça. Rejoins le centre de contrôle, Trésor. Tu devrais pouvoir couper le laser depuis là-bas. Hey, faut que je teste les porteurs. Du coup, j'en ai déguisé quelques-uns en robots de maintenance. Fais pas attention à eux. Nina, tu ne trouveras pas meilleure marchandise ailleurs. Je m'en suis assuré. Bonne chance! Les flingues, mon gagne-pain, votre rêve! Pareil à tirer! Ok. LOL. Bravo. Si, maintenant. Je t'y vas lui passer.
Qu'est-ce qu'il fiche là? En bas, mais c'est perdu, Luc. La santé est par ici. Ouais, la petite musique d'ambiance, comment elle est un peu forte. Fixé un machin, il est là-bas. Oh, je sais pas ce qu'il est là, il s'est perdu, je sais pas. Il est parti. Mais d'ici qu'il est en bas, donc. Bah ouais, je sais pas, il s'est perdu, mec. Le mec, il s'est perdu dans la main. La santé. Je te jure, par rapport au Borderlands 2, les fringues de PV, il y en a tout le temps maintenant. Dans le 2, je m'en souviens, on galérait pour se soigner. Sans combat de boss. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. J'ai tout verrouillé avant que Dal prenne le contrôle. Vas-y, active cette station de voyage éclair et je te ferai entrer. Wow. Voyage éclair activé. Tu peux venir, si tu y tiens. Ok, j'arrive. Bon, j'avoue, c'est fort, hein. Oh. Je veux vos princesses. On voit que dalle ici. Je vais régler ça. Nous y voilà. Waouh. Un laser assez puissant pour fissurer la lune. Il marche à quoi? Non, juste des trucs, tu sais, quoi, la routine, normal. Bon, allez, on va couper tout ça, d'accord? On va couper tout ça. Ok, il y a un noyau à l'intérieur du laser qui fait tout fonctionner. Connecte-toi au système de contrôle et essaie de le couper à distance. Échec de l'extinction à distance. Verrouillage des systèmes. Zarpedon a tout verrouillé? Je crois que tu vas devoir désactiver ce laser à l'ancienne, avec tes doigts. Oh, mais... Elle a raison. Viens par ici. Tu vas devoir atteindre le noyau du laser et l'éteindre à la main. Bonne chance. Merci. Rouge puis mort, ça leur apprendra à porter du rouge. Une histoire explosive, chargez-moi ça. Chasseur de l'Arche, des informateurs de Zarpedon ont mis la main sur des preuves qui pourraient me servir à virer votre employeur une fois que ce fiasco sera derrière nous. J'ai besoin que vous me trouviez ces preuves. Non. Tu vas faire ce que je te dis, ou je ferai tuer les derniers membres de ta famille qu'Atlas ne t'a pas déjà forcé à tuer. Bien. Bah vas-y. Hein. Bien, nous avons un marché. Il doit y avoir un messager de Zarpedon pas loin. Trouve-le, tue-le, et prends les preuves qu'il allait archiver. Tu le reconnaîtras à son armure rouge.
Ça fait peur ce coin. Jack a une idée splendide, terrible, ignoble. Bon, tu as survécu à ta petite balade en canon de tir lunaire, du coup je me suis dit, et si on utilisait ce truc pour faire voyager les gens où ils veulent? Ça aurait trop la classe, non? Mais je vais devoir faire plus de tests d'abord. L'un des soldats de Zarpedon veut passer de notre côté. Du coup, tu pourrais peut-être le convaincre de faire un petit tour en canon. Alors attends... bon, on a tous la même chose, niveau 10 quêtes. La quête principale niveau 24, les autres sont niveau 22. On a un gagnant. Eh ben, on va faire tout sur lui. Ça tenterait de servir de cobaye au voyage en canon. Tu aimerais avoir la chance de pouvoir hurler dans les nuages à des centaines de milliers de kilomètres heure grâce au canon de tir lunaire Helios? Non. Ok, je comprends. J'imagine que présenté comme ça, l'idée a l'air toute pourrie, en effet. Trouve juste un moyen de le faire entrer dans le canon. Débrouille-toi. Ça sert à quelque chose, ce bouton? Oh. Oh, bon sang, pizza fiesta! Faut pas rentrer? Bah, normal, c'est pas à toi de rentrer. Non, mais moi, je voulais manger des pizzas. Voilà. Mais enfin, laissez-moi sortir! Maintenant, numérialise mon système de guidage expérimental sur l'obus. Il prendra le dessus sur la navigation par défaut et je pourrai faire des tests. Jambes. Très bien. Suis le conteneur en haut et fais en sorte que rien ne lui arrive. Assure-toi que le système de guidage reste en un seul morceau. Sinon, qui sait où ce truc sera expédié? Tu m'as menti! Oula. C'est même pas une vraie pizza! Je ne laisserai personne me mentir à propos d'une pizza! Personne! Ici le soldat Ferro, à la base de tir lunaire. Je demande une extraction! J'ai été capturé par les chasseurs de l'arche de Jack! Des chasseurs de l'arche! À toutes les unités, mettez-vous en route! Oh merde! Le petit con demande de l'aide. Protège le système de guidage pendant que le conteneur est chargé pour le tir. Laissez-moi sortir! C'est comme ça que vous traitez l'un des vôtres! Faudra recommencer! Never know.